Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en mode to-do list motivation avec plein de choses à l'intérieur. Donc là, non, vous ne rêvez pas, c'est parti pour ma première séance de sport d'après accouchement, puisque apparemment il faut attendre un certain temps, enfin c'est ma gynécologue qui m'a dit de ne pas faire de séance de sport tout de suite après l'accouchement, qu'il fallait attendre un certain délai. Bon, en même temps je comptais pas faire du sport tout de suite après l'accouchement, mais je savais pas combien de temps exactement il fallait attendre, et donc elle m'a dit environ 2 mois et demi, 3 mois. Donc là ça fait bientôt 4 mois, donc je pense que j'ai suffisamment attendu. Donc là je me suis lancée, rien de bien dingue, hein. Vous me connaissez, moi les sports ça fait deux, je trouve quand même que ça fait du bien, même si je suis pas une grande sportive, je faisais quand même pas mal de séances de sport avant ma grossesse et ça me faisait vraiment du bien, même sur ma, comment dire, sur mon moral, sur mon humeur, sur tout en fait. Je me sentais même moins fatiguée bizarrement après une séance de sport que en ne faisant pas de sport. Donc bref, donc une fois la séance de sport terminée, je fonce chez B&M puisque mercredi ça sera le mois anniversaire d'Inès, donc du coup je suis partie acheter des petites choses puisqu'on m'a invité un petit peu de monde à la maison. Donc voilà, il me fallait pas grand chose, mais voilà, des petites choses comme ça. Je vous ai pas filmé pour les 3 mois parce qu'on n'a pas fait grand chose. On a été au restaurant au final parce que j'avais pas la motivation de faire une déco, etc. Donc on avait été au restaurant et elle avait eu 3 petits cadeaux vraiment très très simples. Je crois que je vous les avais montrés, je ne sais plus. Donc là pareil, je vais rien faire de bien dingue. Pour le gâteau, je vais prendre ces petites choses-là, vous savez, là, qui font une petite ambiance sympa, qui scintillent. Et pour les cadeaux, donc là, j'ai pris ce gros paquet-là de, avec des petits rubans. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Il y en a même pas mal à l'intérieur. Donc, je vais être tranquille pour plusieurs anniversaires, mon anniversaire, etc. Parce qu'il y a du bleu, il y a plein de choses. Au passage, j'ai trouvé ça sur mon chemin. Il s'agit d'un lot en fait de 4 petits pots avec couvercle. Ça, c'est hyper pratique quand vous partez en pique-nique pour mettre vos sauces avec vous sans avoir à prendre le gros pot de sauce ou voilà. Donc, j'ai pris ça également et c'est parti. Je retourne à la maison pour m'occuper du ménage. Donc là, au niveau du ménage, je me suis occupée des chambres des enfants. J'ai changé le linge de lit comme chaque dimanche. Le lundi, c'est notre chambre avec Anthony. Et le dimanche, c'est les enfants. Voilà, je trouve que j'ai pris ce rythme-là. Et maintenant, franchement, je ne changerai plus. Parce que je trouve ça très bien pour qu'ils puissent reprendre bah voilà, sur une bonne semaine d'école. Avec un lit bien fait, bien propre, qui sent bon. Donc là, je fais ça rapidement, je remets des nouvelles housses de couette.
Ensuite, je passe l'aspirateur donc partout dans la chambre. Je fais ça vraiment très très rapidement. Ensuite, je passe dans la chambre d'Inès et je m'occupe de son lit également. Donc, je retire son plaid là que je lui ai mis en dessous parce que c'est hyper doux. Je trouve ça vraiment cosy pour elle. Elle aime bien être sur ce petit plaid là. Enfin, je sens, elle aime bien. Elle me l'a pas dit, mais ben voilà, je la sens bien quand elle est dessus. Donc je lui remets un nouveau plaid propre pour que ça soit vraiment très doux en fait sur son lit et je remets ses petites peluches en place. Je passe l'aspirateur partout dans sa chambre. Ensuite, je passe à la chambre de Victor. Pareil, enfin voilà, je recommence. Je change son drap housse, sa housse de couette. Et je passe aspirateur partout dans sa chambre également. Donc là, je vais mettre une lessive en route, voilà, avec le linge de lit que j'avais jeté par-dessus la rambarde. Et c'est parti pour une tournée de linge. Donc là, il était l'heure de préparer le repas. Donc j'ai préparé une recette que vous verrez dans une vidéo cette semaine. Voilà, avec plusieurs recettes à l'intérieur. Mais je vous montre un petit aperçu comme ça. Hein. Voilà, rapidement. En entrée, j'ai fait des concombres à la crème. Et là, après le repas, enfin, je vous ai passé entre temps. Voilà, on a pris notre repas, on a discuté. On a pris notre temps et là la machine c'était terminé donc je la vide et je mets le linge dans le sèche-linge. Je mets une nouvelle machine en route et là voici la tonne de vaisselle qui m'attendait, enfin qui m'attendait pas vraiment puisqu'au final tout est rentré dans le lave-vaisselle, c'était parfait. Donc j'ai joué un peu à Tetris mais au final tout est rentré. Là, les enfants étaient en train de jouer avec leur jeu. Ça, c'est un jeu que j'ai acheté chez Smith Toys. Ça fait un petit moment déjà, mais j'ai vu plus tard qu'ils le vendaient aussi chez Action. Donc j'étais vraiment dégoûtée parce que c'était quand même pas beaucoup, mais c'était quand même moins cher chez Action. Donc voilà, bah là ils s'amusent à marquer des points en fait. Voilà, ils sont à fond dans ce jeu-là, mais vraiment à fond. Comme quoi, les jeux, c'est pas forcément les jeux les plus chers qui les occupent le plus. Donc ça, vraiment, ils peuvent passer des heures à faire ça. Donc là, ils sont à fond dedans pendant ce
temps-là, donc Inès, elle venait de se réveiller. Voilà, voilà sa petite tête du réveil. Donc là, je lui ai mis son petit t-shirt les bisounours que j'ai acheté chez Kiabi. Franchement, il est trop mignon. C'est dommage qu'il n'y a pas toutes les couleurs de bisounours parce que j'aurais pris toutes les couleurs. En plus, il n'était pas très cher ce t-shirt-là, mais qu'est-ce qu'il est mignon. Vraiment, j'adore. Ensuite, je m'occupe de mes fleurs que j'avais achetées le matin. Je ne vous ai pas montré chez Lidl. Elles étaient vraiment pas chères. Elles étaient en promo. Déjà que de base, elles sont pas chères leurs fleurs. Mais alors là, elles étaient encore moins chères. Je sais plus. Je crois que c'était 1,20€ ou quelque chose comme ça. Donc bon, après, elles n'étaient pas non plus super fraîches, hein, en toute sincérité. Mais c'est pas grave. Franchement, ça suffit. C'est très bien. Elles sont quand même mignonnes comme tout. Donc ça va aller. Ça va le faire pour au moins une semaine. Donc là, je mets toutes mes fleurs dans mon vase. Et ensuite, je vais installer mon astuce que j'avais acheté l'autre fois chez Action. Alors, il s'agit de crochets comme ça, tout simple, blanc. Mais ça va me permettre de ne plus avoir les casquettes des enfants et d'Anthony sur la rambarde de l'escalier. Je passe ensuite en cuisine et là je vais préparer des gaufres pour les enfants puisque c'est vraiment leur goûter, leur petit déj préféré. Donc j'en fais suffisamment au niveau de la préparation pour qu'il y en ait également pour le petit déj. Et donc voilà, je vous montre ça en accéléré puisque la recette des gaufres, je vous l'ai montré au moins une bonne vingtaine de fois sans exagérer. Donc là la petite nouveauté, enfin la petite différence, c'est que je rajoute des petites pépites de chocolat puisque les enfants adorent. Et voilà donc pour le goûter des enfants. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle va vous motiver pour vos propres to-do list. Je vous laisse et je vous retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne.